J'espère que vous allez bien. Je viens vous souhaiter une bonne année 2016, que vos projets soient réalisés et je vous souhaite surtout, surtout la santé parce que sans santé, on ne peut rien faire du tout. Et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et du Nouvel An. Alors, je viens avec une vidéo achat. C'est une vidéo qui va mettre du temps, je vous préviens. J'ai fait vraiment plein d'achats, quoi. Donc, je n'ai pas envie de diviser la vidéo en deux. Prenez votre temps, faites-vous une tasse de thé, de café, de lait ou alors un verre d'eau. Je commence tout de suite avec la vidéo. Il y a plein de soldes un peu partout dans les magasins, alors j'ai fait des petites folies. Voilà, voilà, je commence avec mango. Je cherche mango. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté là. Alors, je me cherchais ce genre de chemise. Voilà. Chemise à carreaux qui va très bien avec un jean, que ce soit un jupe jean, un pantalon jean. Voilà. Et je me suis trouvé celle-ci que je trouve très très jolie, qui m'a coûté 19,99€. Voilà, voilà. Elle était soldée à 25,99€. Ils l'ont ressoldée à 19,99€. Je l'ai achetée à 19,99€. Donc je ne sais pas combien elle coûtait avant cette chemise. Ils ont fermé là, donc je peux pas voir, je peux pas savoir. Donc je l'ai pris en taille S. Je la trouve très très jolie. Voilà. Il me fallait, c'est un must-have pour le moment, ce genre de chemise. Top, carreau de blanc, de gris et de noir. Voilà. Avec deux poches par là. Et voilà. Je me suis pris aussi un pantalon également qui était soldé à 29,99€ et je l'ai eu à 19,99€. Ils ont toujours fermé. Je ne sais pas combien il coûtait avant, taille 38. Dans un pantalon qui se présente comme ceci. Un pantalon qui n'est pas très long. Voilà, pantalon tout basique. Voilà, avec deux poches. Et voilà, avec ce genre de pantalon. Un pantalon basique. Voilà. Je trouve le tissu très génial. Et puis il y a les passes ceinture. Voilà. Je me suis encore pris un pantalon. J'ai pris plein de pantalons cette fois-ci dans les magasins et tout. Ouais, j'aime bien les pantalons en tout cas. Alors, je me suis encore pris celui-ci qui a été premièrement soldé également à 29,99€. Et ils l'ont resoldé à 19,99€. Qui se présente comme ceci. Voilà. Qui se présente comme ceci. Ça, c'est du bleu. Bleu nuit, c'est ça que vous appelez bleu nuit, je crois. Toujours basique, c'est le même pantalon, mais les tissus sont un peu différents. Et puis voilà, là c'est même venu avec la ceinture. Je trouve cela plus pratique quand un pantalon vient avec la ceinture. Voilà. Je trouve cela plus pratique. Voilà. C'est venu avec la ceinture, c'est plus pratique, toujours avec deux poches. Par devant et puis voilà, très beau matière, très belle matière, la matière très belle matière. Voilà, donc c'est des pantalons pas très longs les deux là. Alors qu'est-ce que je me suis encore pris chez Mango? Je me suis encore pris deux pantalons, un pantalon toujours basique je pense. Voilà, qui se présente comme ceci. Ceci m'a coûté 14,99€. Ils avaient été soldés à 29,99€. On les a resoldés à 14,99€. Toujours deux pantalons. Voilà. Un toujours bleu nuit. Je ne sais pas si vous voyez le tissu. Ça, c'est un tissu comme ceci. Voilà. Et toujours pas très long. Voilà. Et les pantalons ont deux cordes. Voilà. Je trouve cela quand même assez pratique aussi parce que quand on perd du poids, et on peut toujours le porter, quoi. Il suffit de tirer. Voilà. Vous voyez ce genre
Alors j'en ai pris en bleu nuit toujours. En une autre couleur, ça c'est du jaune, jaune foncé, comment est-ce que je peux l'appeler, qui a également coûté 14,99 €. Voilà, toujours le même pantalon. Avec l'élastique et puis ça a deux cordes là. Voilà. Je trouve cela très pratique. Je l'ai pris également. Ah, ici, je l'ai pris en taille M. Toujours chez Mango. Donc, chez Mango, je me suis pris 4 pantalons. Voilà. Le bas est comme ceci. Donc, comme le premier que je viens de présenter, c'est toujours le même style, les mêmes tissus. C'est des couleurs différentes. Voilà. Ça a également deux poches. Voilà. Il y a plein de soldes dans les magasins. C'est vraiment le moment de faire une folie. Alors, donc, c'était ça. Et chez Aldi, si vous avez regardé ma vidéo maquillage pour les fêtes, le bijou que je portais, je l'ai dit, je l'ai montré. Le bijou que je portais avec cette tenue, je l'avais acheté chez Aldi. Le sac également. Donc j'avais pris deux sacs chez Aldi pour les fêtes. Celui-ci, j'ai pas eu l'occasion de le porter. Mais je l'ai acheté, je le trouve également très joli. C'est des sacs qui m'ont coûté presque 8 €. Donc 7,99 €. Ils se présentent comme ceci. Ça, c'est couleur or. Et l'autre, c'était couleur argent, un autre style. C'est des sacs que je trouve également très jolis. L'intérieur se présente comme ceci. Dans ces magasins-là, comme je disais dans une vidéo, il faut toujours jeter un coup d'œil. Ils ont toujours des trucs. Hein. Ce n'est pas des trucs qui vendent tous les jours, mais ils ont toujours des arrivages. L'arrivage, que ce soit produits cosmétiques ou alors des vêtements et tout. Moi, à Lidl, Aldi, j'achète des trucs, je fais de bonnes choses dans ces magasins-là. Voilà, je le trouve très joli ce sac. Ce que j'ai encore pris chez Aldi, c'est un pantalon comme ceci. C'est pas le genre de jean qu'on voit tous les jours, c'est un pantalon vraiment sport que je trouve également très joli. Un pantalon jean avec des élastiques, de l'élastique en bas. Je vais vous montrer. Là, tout vient toujours dans le truc comme ceci. Ça se présente comme ceci. C'est un pantalon qui est avec la chemise de chez Mango à carreaux. La dame, elle a une chemise à carreaux avec n'importe quoi. Donc, c'est un pantalon qui a de l'élastique en bas. Je trouve cela très joli. Donc, ce pantalon m'a coûté 15 €. Et le tissu est vraiment très bien. Hein. Du coton, c'est un pantalon, je pense, qui est plus pour l'hiver. Il est top, ce pantalon. Je l'ai déjà porté, je l'ai lavé, je l'ai porté. Voilà, vous voyez, avec deux poches derrière et puis deux poches par devant. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pris chez Aldi? Je me suis pris ceci. Voilà, toujours pour les fêtes. Cette veste, comment est-ce que vous appelez cela? Voilà, que je trouve également très jolie. C'est une couleur. Je peux dire rouge, voilà, que j'ai acheté à moins de 10 €, que je trouve très joli. Voilà. J'ai pas eu l'occasion de porter cette veste, mais elle sera dans mon placard. Je la mettrai une fois, quoi. Voilà, j'aurai une occasion pour porter cela. Voilà, c'est génial. Alors, voilà cette veste là. Vous voyez la dame là. Je trouve cela vraiment très bien. Donc c'est ça. Alors maintenant je viens avec H&M. Ce que j'ai acheté chez H&M. Voilà. Je me suis acheté un gilet. Alors là c'était aussi un gilet. Ça s'appelle gilet. Je me suis acheté un gilet comme ceci que j'adore et que j'ai déjà eu à porter. Chez H&M, je pense qu'il était soldé à 14 €. Voilà. Il se présente comme ceci et il a une corde. Voilà.
C'est un gilet qui a une corde par comme ceci, qu'on peut attacher devant. Un gilet qui aime beaucoup, voilà. Que je trouve joli avec plusieurs couleurs. C'est un gilet qu'on peut mettre avec du vert, du bordeaux, du violet, du rose, du gris, avec plusieurs couleurs, quoi. Je trouve cela également très joli. Qu'est-ce que j'ai encore pris chez H&M? Chez H&M, je me suis pris, j'ai acheté plein de pantalons, plein. Je me suis pris un pantalon comme ceci qui coûtait avant 34,99 €, qu'ils ont soldé en 20 €. Il ressemble au pantalon de chez Primark, j'ai encore pris un là que j'ai montré dans une vidéo, ma dernière vidéo achat. C'est toujours le même motif, pantalon comme ceci, voilà. C'est le tissu qui diffère, voilà. Ouais, c'est un pantalon très joli. Ce genre de pantalon, on aime ou on n'aime pas. Je le trouve vraiment joli. C'est le même que de chez Primark. Voilà. Alors voilà, les pieds sont comme ceci, des grands pieds. Voilà. Le derrière est coupé comme ceci. C'est un très beau tissu. C'est un tissu que j'adore vraiment. J'aime ce genre de tissu. Alors il a coûté 20 €. Il était soldé à 20 €. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore pris chez H&M? Je me suis pris un classique comme ceci. J'ai pris deux tops. Il y a un que j'ai déjà mis, qui est au lavage. Toujours à peu près les mêmes couleurs, vert. Donc c'est un top qu'ils ont soldé à 3 €, que je trouve également très joli. Voilà, il se présente comme ceci. Voilà. Un top tout simple, hein? Un basique tout simple, voilà. 3 €. Alors, qu'est-ce que je me suis pris? Je me suis pris une veste comme ceci, toujours chez H&M. C'est une veste qui coûtait 34,99 €. Alors, ils l'ont soldé à 20 €. J'espère que vous voyez très bien. Voilà, c'est une veste que je trouve très jolie et je trouve le matériel très très joli. Voilà, c'est une veste qu'on peut mettre avec une jupe, un pantalon ou poser sur une robe. Voilà. Voyez, les manches sont comme ceci. Tout simple. Je vais un peu rapprocher. Voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Là, c'était H&M. H&M, c'est fini. Alors, chez Primark, qu'est-ce que j'ai pris? Primark, je n'ai pas acheté cette chose. Ce pantalon ressemble, est pareil que celui de chez H&M. Et le même pantalon, je l'ai montré dans ma vidéo achat. Ma vidéo précédente achat, j'avais acheté le même pantalon, il coûtait 18 euros. Alors ce même pantalon, je l'ai repris en noir. Ils l'ont soldé à 9 €. Voilà. Celui que j'ai d'abord pris, il était orange. Et celui-ci, c'est un noir. Voilà. Voilà. Toujours comme celui de chez H&M et le précédent que j'avais montré dans ma vidéo achat. Voilà. Le devant, si vous vous rappelez des personnes qui ont de ma vidéo achat précédente. Voilà. Voilà, c'est un pantalon qui coûtait 18 €, mais moi je l'ai acheté. Le premier, je l'ai acheté à 18 € et finalement, ils les ont soldés à 9 €. Voilà. Et je l'ai repris en moi. Je trouve très joli. Alors, j'ai 3 pantalons de ce. Qui ont les mêmes, disons, les mêmes coupes, mêmes coutures. Celui-là et celui de chez H&M. Mais pour dire, je trouve quand même celui de H&M plus bien coupé, plus joli, le derrière, parce que le derrière est vraiment très sexy. Voilà. Le derrière, je le trouve très sexy. Ça, c'est le devant. Et pour Primark, le derrière, c'est comme ceci. C'est aussi joli. Voilà.
Alors, qu'est-ce que j'ai pris chez Primark? Je me suis acheté un chapeau. J'adore les chapeaux. Donc, je me suis acheté un chapeau comme ceci qu'on a soldé à 5 euros. Il coûtait 10 euros. Voilà. Là, c'est du noir. Chapeau tout simple, hein? Voilà. Deux couleurs, du bordeaux et du noir. Je peux pas l'essayer là avec mon chignon. Voilà. Bordeaux et du noir. Je trouve cela joli. Alors, chez PC, P&C, Pick and Kloppenburg. C'est un magasin pour ceux qui ou celles qui ne savent pas. C'est un magasin qui est assez cher, qui vend des produits de grande marque. Et voilà. Donc, je me suis acheté deux pantalons qu'on a très bien soldés là-bas. J'ai acheté plein de pantalons cette fois-ci. 8 ou combien, je ne sais pas. Je ne sais plus. Alors, voilà. Un pantalon qu'ils ont bien soldé, je vois même pas la facture, je sais plus à combien je l'ai acheté. J'ai pas envie de vous mentir, alors même le prix où il coûtait avant, mais c'est un pantalon que j'ai quand même acheté, je pense 50 ou 40 quelque chose, je ne retrouve pas la facture. Je trouve que voilà, je ne retrouve pas la facture. Ça c'est la chemise de mon chien. Je trouve pas la facture, mais c'est pour dire, c'est un pantalon qui a été soldé, que je trouve très joli. Ça c'est une couleur rouge bordeaux, voilà. Se présente comme ceci, voilà, voilà. Voilà. Ouais. Je le trouve vraiment très joli. Voilà. Et les pieds sont comme ceci. Voilà. C'est un pantalon que je trouve vraiment très, très joli. Et ils l'ont vraiment bien soldé. Je pense que je l'ai acheté à 40 quelque chose d'euros. Hein. 40 quelque chose d'euros. Je ne trouve pas la facture de ce pantalon. Ça, c'est pour le dire. Donc, c'est ça. Je l'ai acheté à moins, à peu près 50 euros ce pantalon. Pas plus. Hein. Voilà. Ça présente comme ceci. Et voilà, je le trouve top, top, top ce pantalon. Je suis vraiment très contente de l'avoir acheté, de l'avoir pioché pour ce pantalon. Je suis très, très contente et la couleur, j'adore. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore acheté là-bas? Je me suis acheté un jean de chez Oliva aussi. Voilà, que ça présente comme ceci. Pantalon jean bleu Oliva. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est pour Oliva. Un pantalon jean de chez Oliva. Comme ceci. Que ça présente comme ceci. Voilà. Voilà. C'est un pantalon qui coûtait 59 euros. Voilà. Mais moi, je l'ai acheté à 39,99 €. Donc, il a été soldé. Voilà. Je l'ai acheté à 39,99 €. Il est bien coupé, je trouve. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? On continue. Oups! Voilà, j'étais chez Dashma. Je me suis pris trois paires de chaussures. Voilà. Que je vais vous présenter. Alors, la première paire, c'est... qui coûtait 59 euros. C'est des chaussures toutes, je les ai déjà mises. Bon, c'est des chaussures que j'ai achetées la semaine dernière et j'étais très pressée de les mettre. Alors celle-ci, elle coûtait 59,90 € et on l'a soldée à 29,99 €. Voilà. Du cuir, du véritable cuir. Leur marque 5e avenue. Voilà. Alors, c'est le genre de chaussures que l'on aime ou on n'aime pas. Ma pointure, c'est normalement. Moi, j'ai des grands pieds, c'est normalement du 41. Mais il y a des moments où j'achète les chaussures 42. Et cette chaussure est faite homme. J'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé du 41 qui me va à ravir. Qui se présente comme ceci. Ça, c'est une chaussure qu'on peut mettre avant un pantalon business, un pantalon normal, un pantalon jean.
On peut les mettre aussi avec une robe, avec une jupe. C'est des chaussures que je trouve très jolies, mais ça, ou on aime ou on n'aime pas. Voilà. Ça, je l'ai mise, donc ça se voit. Je les ai mises. Voilà, voilà, ça se voit. Alors, voilà. Voilà. Alors, je me suis pris des bottines de 34,099. Voilà, ça se présente comme ceci. Voilà. Voilà. Alors, c'est des bottines qui se présentent comme ceci. C'est des bottines où quand j'ai envie de me mettre, de m'habiller sportivement et tout. C'est des bottines que je trouve top top. On peut les porter toute la journée sans avoir mal aux pieds. Je les trouve vraiment très jolies. J'ai pris la même chose, j'ai pris deux paires, les mêmes bottines. Ça se présente comme ceci. Voilà. Et voilà. Elles sont tellement confortables, ces bottines. Alors, je les avais d'abord pris en bleu et la couleur beige, je l'ai prise après. Voilà. Très, très joli le bleu. J'aime plus le bleu. Le bleu, je le trouve plus beau encore que le beige. Ça se présente comme ceci. Voilà, voilà. Donc, je les ai achetées tout soldées à 24,99 €. Voilà. Très joli, très très confortable également. Voilà, du cuir, c'est des bottines en cuir et c'est des bottines qui vont très très bien avec ce jean de chez Aldi là. Voilà, top 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 avec ce jean là, ça va trop bien. Voilà, donc c'est ça. Alors, nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer, j'ai l'habitude souvent d'oublier les choses quand je fais des vidéos achats. Alors j'espère que je n'ai rien oublié, je pense même que j'ai oublié certains trucs parce que c'était pas tout, mais sinon que c'est pas grave. Alors je vais vous montrer cette palette là, palette de chez Alverde. Je l'ai trouvé dans le magasin, j'ai pris tout de suite. Je l'ai acheté par rapport au packaging. Alverde, c'est une palette vegan. Voilà. Palette vegan. Alors ici c'est la poudre. Là c'est la poudre. Et là c'est les fards à paupières. Et puis du rouge à lèvres. Là, mais les fards à paupières, on peut, voilà, ça se présente comme ceci. Je vous le montre bien. Ils peuvent servir de contouring et de highlight. Voilà, voilà. Donc c'est ça. Alors, j'espère que la vidéo n'a pas été très longue. Je vous aime bien. Je vous embrasse très très fort. Nous nous retrouvons pour des vidéos, pour des nouvelles vidéos. Et j'espère que cette vidéo achat vous a plu. À bientôt. Bye bye.